Salut à toutes et à tous, c'est les petits aussi, et on se retrouve pour la suite du mode carrière sur F1 2014 avec McLaren, Mercedes, sauvons McLaren, et aujourd'hui troisième épisode, le troisième Grand Prix de la saison à Bahreïn. Un circuit que j'aime moyennement, je suis moyennement bon dessus. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça va être pas mal avec ces nouvelles voitures. Ça promet, comme on dit. Donc dans le précédent épisode, nous avions remporté le Grand Prix de Malaisie pas vraiment dire facilement, mais comme j'aime beaucoup ce circuit, j'y suis plutôt à l'aise sur le circuit de Malaisie. Ça s'est bien passé, bien évidemment. Je sais pas si aujourd'hui à Bahreïn ça va se passer comme en Malaisie. Donc comme en vrai, le Grand Prix va se disputer de nuit. C'est un peu déroutant. Donc voilà, ça au moins c'est expliqué. Vous avez pu remarquer que j'ai fait une modification dans le profil, j'ai mis monsieur en prénom et mon pseudo en nom, parce que j'ai remarqué qu'on affichait que le nom, c'est à dire YouTube. Donc j'ai préféré mettre mon pseudo en nom et monsieur comme ça pour rire en prénom. Donc on va juste faire un petit tour d'essai, enfin un petit tour pour appréhender un peu ce circuit de nuit pour voir ce que ça donne. Faut pas être pris au dépourvu lors de la qualification. Spécial, ça fait bizarre. C'est sympa, hein, c'est vraiment très sympa. Alors pour l'instant, je fais pas de tour chronométré. C'est vraiment pour prendre les sensations sur ce circuit. Ça va plus vite.
Bon, on va passer directement au qualif, ce qui est la première chose la plus intéressante d'un Grand Prix, d'un week-end de Grand Prix. C'est les qualifs. En espérant qu'elles se passent bien. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Bien. Alors, toc, lancé. Bon, bah j'espère que ça va bien se passer, hein. Je pense que mon temps va pas être très vraiment, ça va pas vraiment être solution. Je pense que je peux faire mieux que ça quand même. Pas mal dans le secteur 2, j'espère faire bien aussi dans le 3. C'est bien ça. On va voir ce que ça donne et si ça tient, qu'on puisse se qualifier avec ça. Pour l'instant premier, d'accord.
il y a des trucs qui me choquent un peu là. Maldonado 7ème, Kiad 6, Gutiérrez 3, Sutil 2. Normal. Ok, alors là c'est la première qualif du Grand Prix. On est qualifié pour la Q2, mais là c'est Nawak. Regardez-moi ça. Bon, Ericsson, Chilton, Bianchi, Kobayashi, normal. Perez, qui peut faire mieux. Vergne, qui peut faire mieux. Bottas 16, Raikkonen 15, Bottas, mon coéquipier 14, Grosjean 13, Ricciardo 11, Alonso 10, Vettel 8, Maldonado, tiens, qui se fout là, Gutiérrez et Sutil, tranquille, les deux Sauber qui sont devant les deux Mercedes. Oui, bien, d'accord. Ok, pas de problème. Pas de soucis, mec. No problemo. D'accord. Si tu veux, l'ami, si tu veux. Mouais. Pam 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 pam. Alors, maintenant, on va s'attaquer à la Q2. On va garder, s'il vous plaît, les mêmes pneus, les primes. Même train. Voilà. Et on y va. Tour lance. De toute façon, c'est qualifié premier avec ces pneus-là, donc je pense qu'en Q2, on peut refaire la même chose. Non, c'est pas facile, hein, c'est... Allez, allez, courage. Thank you.
Ouais, bon, on va être obligé de passer les putains de pneus tendres. Putain. Pas option, quoi. Bon. Bon, voilà, on a mis les options tout de suite, ça va beaucoup mieux. Et en plus, 3 dixièmes de 20 newtons, c'est pas énorme, hein, c'est pas un gros écart. Hein. Donc voilà. Qualifié en Q3. Donc les éliminés de la Q2 sont Maldonado, Grosjean, Gutiérrez, Sutil 4, ça c'est rentré dans l'ordre, mais la grosse désillusion, c'est Fernando Alonso, 11e. Donc ben, les deux Williams, mon coéquipier, une des deux Mercedes, la rescapée des Force India, ainsi que Ricardo Vettel pour les Red Bull, Raikkonen, la dernière Ferrari, et Hamilton et bien sûr moi. Voilà, on est, moi et Hamilton ont été les deux seuls pilotes à être en dessous de la minute 38. Donc ça présage une bataille, je pense, entre moi et lui pour la pole position de ce Grand Prix de Bahreïn. Alors donc bien sûr, vous avez remarqué, il y a un virage assez, vraiment serré, je pense, où ça amène à une sorte de deuxième grille de départ, mais plus loin sur le circuit. J'ai un peu de mal sur ce virage-là, je perds pas mal de temps, je dois sûrement mal arriver dedans, ou arriver trop vite, ou je sais pas, j'ai vraiment du mal avec ce virage-là. J'arrive à appréhender le long droite, hein, qui est bien après. Mais bon, alors, vous allez voir.
arrive dans le virage, celui-là. C'est celui-là ici. Celui-là, j'ai du mal. Voilà, encore une fois. Arriver celui-là, celui-là j'ai un peu de mal. Voilà, là c'est passé. Mais bon, c'est les deux virages qui me posent un peu de problème, sinon ça va. Je dois faire 7ème. Désolé, hein, je suis vraiment concentré là. Parfait, deuxième, c'est très bien. Toc et toc. Je pense que la qualif que j'ai faite est satisfaisante personnellement, donc je vais hop, toc et toc. Donc voici la grille de départ pour le Grand Prix de Bahreïn. Donc Nico Rosberg en pole position devant, enfin devant moi, je suis en deuxième position. J'ai fini à 9 centièmes de lui. Vous avez remarqué, c'est pas énorme.
le troisième Lewis Hamilton sur la deuxième ligne qui la partagera avec Raikkonen. Ils sont pas loin non plus. La troisième ligne, Ricciardo et Vettel. Quatrième ligne, Bottas et Hülkenberg. Et cinquième ligne, Massa Button qui feront les qui sera dixième. Il partira assez loin de moi, donc je pense que pour le défi des coéquipiers, je pense prendre l'avantage pour le moment. Bah surtout en qualification, j'ai pris l'avantage là encore une fois. J'ai fini devant lui. Bien, bien, bien. Ah, juste une petite pause, je reviens. Et me revoilà. Bon. La stratégie. Ah, cette fois-ci, ils ont mis les bons pneus. Donc je dois m'arrêter au tour 6 pour mettre les pneus. Et eh ben en piste hein. En avant Guingamp hein. Ouais, ouais, vous touchez pas. Taha. Dans ton cul. L'animation. Bah j'espère que la course va bien se passer quand même. Rosberg premier. Moi deuxième. Équipier 10. Bon départ et à tout à l'heure. Un super départ, on s'en est super bien sorti avec une belle manœuvre propre. On est premier devant Rosberg et Hamilton 3. Faut que j'arrive à me débarrasser de Rosberg et Hamilton. Il n'y a pas de facile. Premier tour donc on a 7 dixièmes d'avance. Facile pour l'instant, j'ai un peu la pression là. Hein.
pour l'instant il n'est pas utile. Se passe super bien pour l'instant. Pas de problème. On va s'arrêter à la fin de ce tour.
bah on a fait un très bon premier relais, je trouve. Les pneus, ils sont morts. Et voilà notre premier arrêt au stand. Enfin, le seul arrêt du Grand Prix. Je suis pas le seul à m'arrêter. Alors, on va remarquer les stratégies à nouveau. Bon relais ou pas. On va ressortir 34. 5e je pense. 5e. Alors, on ressort 5e. Après tout ça, on est de nouveau premier au début du 8e tour. Classement actuel, c'est moi devant Rosberg et Vettel. Courage plutôt 5 tours.
je viens de gagner une survie. C'est un jeu de mots. Sur les derniers tours là. Presque.
là, c'est le dernier tour. Et donc, nous remportons notre deuxième Grand Prix de la saison, le troisième dans le calendrier. Mais nous, ça nous fait deux victoires en trois Grands Prix. Bottas finit 13e, merci le coéquipier. Bien donc, voici le résultat de cette course. Donc je suis le vainqueur de ce Grand Prix de Bahreïn avec 3 secondes de 4 d'avance sur Nico Rosberg, suivi sur le podium de Lewis Hamilton, a doublé sur le podium de Mercedes. À la place du con, Vettel 4e qui devance Raikkonen, Ricciardo, Massa, Bottas, Alonso et Perez pour les points. Derrière, donc, et ben, ensuite, 12, 13, Button, Grosjean, 14, Kiat, Maldonado, Gutiérrez, Bianchi, Vian, Kobayashi, et Hamilton et Ericsson. Et cette fois-ci, tout le monde a terminé. Bien. Deux victoires de suite, c'est incroyable. Donc, au classement du championnat du monde, je suis deuxième avec 56 points. À 5 points de Nico Rosberg et je devance Massa, 3e mon coéquipier, et 10e avec 9 points. Bien, bah c'était un Grand Prix très intéressant, un peu difficile quand même, j'ai eu un peu la pression parce que bon, bah il y avait des virages où j'avais un peu de mal et je perdais pas mal de temps. Rosberg me mettait un peu la pression quand même derrière. Donc ça n'a pas été non plus un Grand Prix de tout repos. Mais franchement très intéressant comme Grand Prix. Je suis bien amusé. Voilà. Bon, continue sur sa lancée. Ouais. Pouh. Alors. 3. De réputation, niveau 3. Alors, petit message. Je m'appelle Jack Thompson, je cherche l'informatique au QG. Nous analysons les données de performance après chaque course. Puis nous les envoyons à nos pilotes. Vous pouvez utiliser ces données pour étudier vos performances pendant la course. Hein? Ah, faut que j'aille voir tout en haut. Ah voilà. Défi des coéquipiers. Maintenant je devance totalement. Alors donc, mon temps en qualif, 1.37.492. Le temps de la pole position, 1.37.817. Le temps de la pole position, c'était ça. Mon meilleur tour en course, c'est le meilleur tour de la course, hein, c'est mon 1.38.040. Excellent résultat à Bahreïn, nous ne pouvons pas te demander mieux. Profite bien du reste du week-end. Ah, prochain Grand Prix Shanghai. D'accord.
Ah, il fera un peu de pluie vendredi, mais je m'en tape. Bien, et ben j'espère que ce Grand Prix de Bahreïn vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu qui font très plaisir, mais sur Twitter bien évidemment. Et on se retrouve pour le Grand Prix de Chine. A plus tard pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde, salut, salut.